les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Galère d'accès parce qu'elle est en plein milieu de la route, enfin en bord de route plutôt, et j'ai dû vraiment passer quand il n'y a plus de voiture. Et on m'a dit qu'il y avait tout dans cette baraque, et bien, effectivement, il y a tout quoi. Allez, la lampe torche de l'explorateur. Et là, sorte d'atelier, hein, avec tout. Enfin, plutôt le garage, hein, j'ai envie de dire, plutôt un garage carrément. Et la végétation, on ira là-bas après. La végétation a bien repris le dessus. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est trop bizarre. On peut pas y accéder. Porte, on dirait un peu. C'est un frigo, j'en sais rien. Voilà, la végétation a bien repris le dessus là-bas, donc c'est vraiment une petite galère cette maison. Je sais pas si on va pouvoir monter par là. Parce que sinon, ça me ferait ressortir et re-affronter la route et c'est pénible. Parce que quand je sortirai. Oh! Quand je sortirai, il faudrait que je fasse gaffe. J'avais pas vu ça, le tourne-disque. Le code de la route en tourne-disque. Super. Les pompes encore dedans. Est-ce que je vais pouvoir grimper à la maison par ici? Ça, je pense que c'est un atelier pour les clés. Oh, c'est un bordel, le petit, effectivement. Bon, je crains que je vais devoir ressortir par contre par dehors, hein, pour monter. Le banc de muscu, regardez. Enfin, les abdos, un petit peu les pecs, la machine à écrire, je crois. Je sais pas ce que c'est. C'est un téléphone. Là, c'était un bureau, là. Enfin, c'était un bureau. Avec tous les livres. Putain, je vais devoir ressortir, ça c'est relou, par contre. Tout le film. Regardez les livres un petit peu qu'il y a. Voilà, vous pouvez mettre pause. Pour tous les livres qu'il y a. Il y a beaucoup, même des cassettes. Beaucoup, 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 beaucoup de livres. Ah putain, je vais être niqué par contre si je dois ressortir, c'est chiant ça. J'essaie de voir s'il n'y a pas un autre accès parce que de sortir c'est relou quoi. Pas des escaliers là-bas. Le glaçon. Ah putain, on va pas pouvoir monter, c'est dommage. Enfin, on va pouvoir, mais il faudrait que je me. Oh putain, les bocaux, regardez. Des cèpes ou des cerises, j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Cerises en tout cas. On a une date là-bas, 2008. Elle est vraiment très très mal placée cette maison. Ce qui explique peut-être son abandon. Voilà, et après y a rien. Ah, putain, non, attends. Une petite bouteille. Pour ceux qui s'y connaissent. C'est pas mal tout ça. Et la remorque a pourri quoi. Bon bah trouve un accès pour monter. Hein. On va tout simplement passer par la porte d'entrée, j'ai envie de vous dire. Et oui c'est ouvert. Yes. Regardez là-haut, c'est ouvert, donc faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas de voiture qui passe à ce moment-là. Et on peut y aller. Je sais pas comment je vais pouvoir prendre une miniature là. T'es juste ici en fait. Allez. On va y aller. Ok. Elle passe vraiment juste ici. Les voitures. Et il y a tout, c'est incroyable. Il y a vraiment tout, c'est ouf. Ouf, ça pue. Regardez. Absolument tout. Le fauteuil roulant. La vieille
tapisserie, enfin le papier peint plutôt. La télé catholique, regardez. Voilà, la petite télé. Ça se trouve, elle marche encore, peut-être avec une, avec le courant. Ça, c'est mon toc, hein, je vérifie tout le temps. Hein. Ouais, s'il n'y a pas du jus, quoi. Du juice. Qu'est-ce qui a marqué ça? Ne volez rien, respectez ce lieu et que la paix et l'amour soient avec vous. Ça. Et si tu écoutes, tu entends d'Alfred parler. Hein, j'ai pas compris. Ça, je suis sûr, c'est Peter, encore une fois, qui a dû passer par là. Hein. Alors, attends. Hey. Ok, j'ai cru que c'était autre chose que de la paille. C'est ce que je veux dire. Bon, il n'y a plus rien dans les frigos. Les placards sont périmés. Enfin, sont moisis plutôt. Je suis têtu, les gars. Oui, je disais, je suis têtu, j'ai toujours pas de gants. J'ai toujours pas de gants pour mes explorations, je suis un gros porc. Excusez-moi. C'est moisi, moisi, moisi. Et le petit bol, on dirait que ça a été vraiment du jour au lendemain, le petit bol de déjeuner, comme ça. Avec 1983, la date, bon. Il n'y a rien de perso, je crois, je raderai. Si, mais il y a des adresses. Bah voilà, vu qu'il y a des adresses, je suis loin de queue ici. Hein. Je vois ce qu'il y a juste en face. Il y a absolument tout, la chambre. Les placards sont vidés, par contre. On a la route en face. Hein. Mais la chambre, il y a encore tout, quoi. Et en plus, on est au mois de janvier. Il fait presque 20 degrés. C'est assez exceptionnel pour un mois de janvier. Donc, c'est vraiment trop bien. On est presque comme en été, quoi. Enfin, le printemps, on entend les oiseaux. Alors qu'on est juste... Oh, alors là. Alors là, là, là. Ah, elle est pas jaune pour ceux qui ont connu l'ancienne, 2007. Et en bas à ma droite, il y a le département où on est, donc je filmerai pas. Mais elle est pas jaune, purée. C'est vieux, ça. Alors, cette pièce, elle est vraiment hein, exceptionnelle. Le buffet, la fenêtre avec la végétation qui rentre, regardez. C'est vraiment hein, la catastrophe. Hein. Mais cette pièce, par contre, elle est vraiment magnifique. Hein. La cheminée, regardez-moi ça. Avec le tableau en tissu, en toile. Je sais pas ce que c'est. Les tableaux de chasse comme ça, à l'ancienne. C'est magnifique. Et là, c'était les photos. Il n'y a plus aucune photo. Photo, pardon. Ah si. Il y a des photos avec les lieux, je crois. Bref, j'ai pas trop montré, mais il y a des photos de. Il y a des photos, quoi. Ouais, les photos ont été enlevées. Il n'y a que dans celui-là qu'il y a des photos. Il y a la bougie, les clopes encore. Les oursons. Le canapé. Un morceau de livre là comme ça avec la moquette par terre qui pourrit. Cette pièce est vraiment magnifique. Cette maison me met bien, franchement. Je suis pas du tout mal à l'aise dans cette maison. Cette pièce est fantastique. La table encore, la toile cirée, enfin la nappe quoi, en tissu. Et on a des photos ici. Alors je sais pas si c'est d'un livre ou d'un. Perso, je pense plutôt que c'est d'un livre. Toutes ces photos, oui, je crois que c'est des acteurs. Hein. Il me semble. Ouais. Ok. Belle pièce en tout cas. Très très belle pièce. Ça a dû cramer là, on le voit. Encore une chambre ici.
pareil, avec le papier peint qui se barre. Les armoires, il n'y a plus rien dedans, quoi. Et soumis à l'ancienne, comme ça, elle ressort. Il y a pas mal de petites maisons, encore une fois. Salle de bain à faire, on finit par la chambre. La salle de bain, c'est... Ah, il y a un truc derrière. Ah oui, quand il pleut, là, oh, ça se décolle vraiment, quoi. Encore les serviettes, les torchons. Il n'y a plus rien dans la caisse à salle. Et là, par contre, dedans, il y a tout, quoi. La mousse à raser. Petit frise, là. Et en haut, on a un truc là-bas. Ouais, ça va être compliqué d'y aller, mais on a un truc, ouais. Là, c'est les chiottes, hein, mais rien de fou. Oh putain, ça, c'était horrible, ça. Les mecs, ils mettaient des trucs en tissu dessus, les chiottes, c'est dégueulasse. Et là... Là, ça, ouais. Oh, oui, la moisissure. Oh, purée. Avec la tapisserie montagne. Tapis pas encore une fois. Mon croisé. Oh, ça c'est fou ça que ça moisit comme ça. Je sais pas ce que c'est cette babu, on dirait une enceinte, mais. Je sais pas trop ce que c'est. Avec les livres. Livre de France, regardez. C'est pas mal tout ça. C'est pourri pourri. Hein. Philosophie, des livres de philo. Peut-être un prof de philo, on n'en sait rien. Des livres hein, pour ceux qui s'y connaissent. Et les armoires à vider. Ouais. Complètement vide. Et en tout cas, les amis, c'était une maison vraiment sympathique. Avec l'ancien radio réveil comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas du tout. En tout cas, fin de l'exploration. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était vraiment une maison assez petite mais fantastique je trouve. Ah oui, j'avais pas vu avec les toilettes comme ça, le truc en hauteur comme ça suspendu, à l'ancienne. Tu dirais, belle maison, belle petite maison, galère d'accès, je vais galérer pour ressortir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, cette expo, avec tous les placards ouverts comme ça. Voilà, voilà, avec les... Non, j'ai pas vu l'heure, et les plantes en haut, les plantes qui les touchent nos grand-mères. Ah, mais j'avais pas prêté attention avec ce petit meuble là, j'étais allé un peu vite. Avec les petits ustensiles là. J'avais pas fait gaffe à ça. Et oui, les meubles et sont tous ouverts comme ça. Et la plante là, je sais plus ce que c'est cette plante. Ça, c'était la plante typiquement que tu retrouves chez ta grand-mère. C'est super spécial cette plante. Les rideaux encore. Bon, les amis, c'est la fin de cette expo en tout cas. J'espère vraiment que ça vous aura plu, c'était très très cool. J'essaie de sortir sans me faire. Ça me fait cramer. C'est un petit peu voir une tête dépassée, ça va bizarre. Allez, je saute. Je vais faire cramer pour les voisins. Parce qu'il y a des voisins. J'espère que cette expo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour votre exploration. Allez, il y a un garage là-bas, j'ai pas pu y aller, dommage. À bientôt.